2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, quand on dit toute écriture, l'écriture, c'est quoi? Quand vous lisez toutes les versions de la Bible, on dit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Ce sont les écritures. Selon vous, ce sont des écritures. Et ces écritures-là, on les retrouve où actuellement? Dans des Bibles. Donc, ça veut dire quoi? Plein de gens disent que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, dans la Bible, on ne doit pas avoir des erreurs. Toutes les versions de la Bible doivent être d'accord. Parce que la parole est dit ici, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, toute écriture, ça veut aussi dire, toute traduction des Bibles, si vous ne savez pas. Toute traduction des Bibles, donc toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Traduction David Martin. Dans Genèse chapitre 1 verset 1, vous pouvez vérifier. Dans la traduction David Martin, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux et la terre. Les cieux, c'est quoi? C'est pluriel. Les cieux, ça dit c'est plusieurs ciels, donc c'est pluriel. David Martin, traduction David Martin, Dieu créa les cieux. Bible Ostéval, il est question des cieux. Traduction John Nelson Darby, les cieux, Dieu créa les cieux. Traduction, Louis II du 910, les cieux. Bible pastorale, Marie Sousse, les cieux. Nouvelle édition de Genève, les cieux. Traduction du monde nouveau, les cieux. Bible de l'épée, les cieux. Bible second 21, ciel. Ce n'est plus le ciel. Il a maintenant, dans la Bible second 21, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et non les cieux. Or, alors que Louis second 1910 avait dit les cieux, et Louis second 21, toujours les mêmes gens, soit ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont commise, soit c'est les cieux, soit c'est le ciel. Mais Dieu s'est fait la distinction entre le et les. Quand on dit les cieux, c'est pluriel. Quand on dit le ciel, c'est un ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, on vous montre déjà qu'il y a plusieurs versions des Bibles qui ne sont même pas d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord par rapport à un chiffre, c'est dit que c'est une confusion. Bible second 21, le ciel. Traduction King James, français, le ciel. C'est-à-dire au commencement, Dieu créa le ciel et non les cieux. Bible des peuples, le ciel. Nouvelle édition, le ciel. Bible du semeur, le ciel. Bible français courant, le ciel. Bible Chouraki, le ciel. Traduction écuménique de la Bible Tob, le ciel. Bible de Jérusalem, le ciel. Bible du rabbinat français Zadokan, le ciel. Traduction Abbé Filon, le ciel. Traduction Pierre Robert Oléviathan, le ciel. Vous voyez, le ciel. Déjà, toutes les versions des Bibles que je viens de numérer, il y a déjà une confusion entre les deux parties. Il y a déjà une confusion. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 versions ici là que je viens de donner des Bibles. Vous voyez? Et il y a, sur 20 versions, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont d'accord, qui disent les mêmes choses les cieux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui ne sont pas d'accord. Les cieux et le ciel, c'est deux mots différents.